Bienvenue à Cité Passion. Welcome to the Passion Center. Je suis changé, je suis sauvé. Nouvelle journée, je suis changé, je suis changé. Affinché. Je lève mes mains vers le ciel, car tu es là. Ton amour est surnaturel. I put my hands in the air, cause you heard my prayer. A transformation radical. I've been changed, I've been saved. Brand new day, I've been changed, je suis changé. Alors, bonjour tout le monde. Je souhaitais la bienvenue à Cité Passion. Je vous souhaite d'être touché par la parole de Dieu. Je vous souhaite d'être rencontré par sa merveilleuse et sa douce présence. Et surtout que vous soyez fortifiés, encouragés par la parole de Dieu. Alors, tous ceux qui nous écoutent, c'est comme si je m'en vais dans votre salon. Ça me tente de prendre un café avec vous, fait à la bonne vôtre, un bon café ensemble et on va partager la parole de Dieu. Je m'adresse aujourd'hui à peut-être des gens qui viennent de connaître Jésus, l'avoir rencontré là, personnellement, mais je m'adresse aussi à des enfants de Dieu que ça fait peut-être quelques années ou même plusieurs années que votre marche a débuté. Le pourquoi j'ai à cœur de faire ça, c'est parce que, comme vous le savez tous, on vit des temps qui sont particuliers aujourd'hui, mais on ne devrait pas être surpris pour ceux qui connaissent le Seigneur depuis quelques années, on ne devrait pas être surpris de ce qui est en train d'arriver. Par contre, quelqu'un qui se pose la question, puis qu'est-ce que c'est ça Jésus, puis dis-moi pas que c'est encore à mode, puis tu sais... C'est normal de se poser des questions. C'est normal de pas être trop rassuré, même, je vous dirais. Je vous comprends, j'ai été là. Mais mon cœur, c'était vraiment de vous démontrer que lorsque Jésus a marché sur terre, c'était pas juste pour nous amener à le connaître et pour qu'on soit sauvés. OK, le mot « sauver » pour celui ou celle qui ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, ça veut tout simplement dire que ni moi, ni toi, personne sur la planète, on n'aurait pas pu aller au ciel. On va parler comme ça pour que tout le monde se comprenne. On n'aurait pas pu y aller. Pourquoi? Parce qu'on est né malheureusement avec une nature qui s'appelle une nature pécheresse. Fait que là, n'ayez pas peur, je ne suis pas en train de vous partager quelque chose qui va dire « ça c'est péché, ça on ne fait pas ça ». Non, ce n'est pas ça que je veux dire, mais on a une nature pécheresse. Et à cause de cette nature-là, on était tout simplement comme éloignés de Dieu. Et pourtant, nos premiers parents, Adam et Ève, au début, avant de pécher, avant d'écouter le serpent qui était caché dans l'arbre, ça, vous la connaissez, cette histoire-là. Vous en avez certainement entendu parler à l'école, dans le petit catéchisme, pour certains, d'autres peut-être même dans une assemblée qu'on dit protestante. Vous avez entendu l'histoire. Je veux dire, Adam et Ève étaient chanceux. Ils étaient bénis. Imagine, ils pouvaient prendre une marche le soir puis ils pouvaient rencontrer Dieu en personne. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Ça ne s'appelait pas le paradis terrestre pour rien. C'était vraiment merveilleux. Ça veut dire jardin de délices. Où est-ce qu'il était, là? Éden, c'est ça que ça veut dire. Donc, tout était parfait. La température était parfaite. Les Québécois savent de ce que je veux dire. La température était parfaite.
Tout était pourvu. Il manquait rien pour l'être humain. Il était là, mais bon. On a pris un fruit qui était défendu et ce que ça a provoqué, une coupure, une séparation entre Dieu et sa création qui aimait tellement. Donc, c'est à partir de là, la nature pécheresse. Avant ça, il n'y en avait pas. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu viens à lui, il y a un switch qui se fait dans ta vie, il y a un switch qui se fait dans les lieux célestes et tu retournes dans ton état comme dans le temps d'Adam et Ève. Tu retournes dans ton état premier, c'est-à-dire que ta séparation n'est plus là avec Dieu. Non, non, tu peux t'approcher de lui tout le temps. N'importe quand, à n'importe quel endroit, tu peux t'approcher de lui puis tu peux avoir une relation personnelle avec lui. Ça, c'est un pas. Et c'est tout un pas, c'est le principal, c'est le premier. Parce que si tu n'as pas une relation avec quelqu'un, quand je parle de relation, c'est-à-dire de prendre un temps avec, peut-être de jaser avec, peut-être de l'écouter, peut-être d'aller prendre une marche avec lui, quand tu prends ces temps-là, ensemble, tu apprends à connaître l'autre. Tu apprends à connaître qu'est-ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Tu apprends ces choses-là. C'est un peu dans ce sens-là que Jésus est allé chercher des disciples. Vous allez voir où je veux en venir. Jésus, c'est sûr qu'il s'est fait connaître. On sait, au début, il était un charpentier, puis les gens de son village le connaissaient comme, c'est ça, un charpentier, puis bon, veux-tu réparer ma table de salon? Il y a quelque chose qui ne marche pas avec, il manque une patte. Tu sais, c'est ça qu'il faisait, Jésus. Jusqu'à ce que ça soit son temps pour entrer dans son véritable ministère. Au départ, les gens le connaissaient comme un charpentier, le fils de Marie et de Joseph. Puis je ne vous dirai pas même comment il était appelé des fois par certaines personnes, parce que la façon qu'il est né, qu'il a été conçu, ce n'est pas tout le monde qui comprenait de la façon que ça avait été fait. Donc, il y en a même qui avaient des doutes sur qui était. Je ne veux pas dire le mot parce que ce n'est pas beau. Mais des fois, ça arrivait qu'il y avait des gens qui apportaient certaines insultes même. Ça pourrait être un autre message à un moment donné. Mais juste pour vous dire que sa situation à Jésus était quand même, on le sait, particulière pour nous autres, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur encore aujourd'hui, ben c'est qui ça, Jésus? C'est qui ça, Jésus? Moi, je connais des gens avec qui j'aime ça aller me baigner l'été. Puis j'étais avec des amis de femmes et tout, puis on allait se baigner à un certain endroit. Puis je me rappelle que aussitôt qu'on avait une chance, on témoignait, nous autres. Fait que des fois, on parlait à un enfant, des fois, on parlait à une mère qui était avec son enfant. Puis c'est arrivé, là, qu'il y a un petit garçon qui nous a dit, « C'est qui, ça, Jésus? Je le connais pas. » Ça, moi, c'est venu, là, toucher mon cœur, là. Ça m'a fait tellement de peine. Ça m'a vraiment fait de peine. Le petit bonhomme devait avoir 6 ou 7 ans, pas plus que ça. Puis on avait beau, il dit, « T'as mal à l'oreille? Viens, on va prier pour toi. » Puis Jésus va te guérir. Il ne savait pas c'était qui Jésus. Ça veut dire qu'il n'a pas entendu parler du tout, ni à l'école, ni par ses parents, ni par son entourage. Fait que ça m'a vraiment fait quelque chose. Et ça, mes amis, pour ceux qui connaissent le Seigneur, je parle à des enfants de Dieu, ça se peut que ce soit parce qu'on a manqué à quelque part à notre rôle. Parce que si on faisait vraiment notre job comme le Seigneur nous a demandé de le faire, bien, ça n'arriverait pas ces situations-là. Les gens ne pourraient pas dire « on n'a pas entendu parler de Jésus ». Ils ne pourraient pas. Donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Viens et suis-moi ». Parce qu'en réalité, Jésus, c'est ce qu'il a fait avec ses disciples. Il a passé du temps dans la prière, il a vraiment cherché la face de son Père et il s'est présenté à eux, puis il a demandé à des gens de le suivre. Alors, si vous le voulez bien, on va aller dans Luc 14, 15 à 24. Luc 14, 15 à 24. Je vais le lire. À ces mots, l'un des convives dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra part au banquet dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, «
Un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il avait invité beaucoup de monde. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez maintenant, tout est prêt. » Mais ceux-ci s'excusèrent, tous l'un après l'autre. Verset 18, je le répète, « Mais ceux-ci s'excusèrent, tous l'un après l'autre. » On parle des gens qui ont été invités par Dieu. Il ne faut pas oublier que s'ils ont été invités par Dieu, ça doit être parce qu'en principe, ils connaissaient Dieu. Le premier, lui, fit dire, « J'ai acheté un champ et il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre va dire, « Je viens de me marier, il m'est donc impossible de venir. » Quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Alors le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, « Dépêche-toi, va-t'en sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les paralysés. » Au bout d'un moment, le serviteur vient dire, « Maître, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place. » « Eh bien, lui dit le maître, va sur les chemins, le long des haies, fais en sorte que les gens viennent pour que ma maison soit pleine. Une chose est sûre, pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon festin. » Ça, c'est dans la parole de Dieu, enfant de Dieu. On parle que notre Seigneur est amour, c'est vrai. Il est tellement amour qu'il est prêt à aller chercher tout le monde pour rentrer dans sa maison. Imaginez-vous, là, le serviteur, OK, va de la part de Dieu aller voir les ouvriers, puis les ouvriers ou les gens qui sont invités à aller dans la réception, puis s'en vont. Sais-tu, j'ai pas le temps d'y aller à ta réception, Seigneur. Je suis occupée, je viens de me marier. Là, ça va être ça qui est en premier dans mon cœur. Un autre, je viens de m'acheter une maison, puis je vais travailler longtemps pour la payer ma maison. Fait que désolé, mais je peux pas y aller. Je peux pas y aller à ta réception. Il y a toujours une défaite. C'est comme si les gens réalisent pas que. Sans s'en rendre compte, là. C'est des gens qui connaissent celui qui l'invite. On va comparer ça à nous quand le Seigneur nous demande, enfant de Dieu, de faire quelque chose pour lui. C'est comme si, sans s'en rendre compte, des fois, il y a quelque chose ou quelqu'un qui a pris la place de Dieu dans notre cœur, qui a pris la première place dans notre cœur. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver assez facilement. Il faut toujours qu'on soit sur nos gardes là-dessus. Et puis, quand le Seigneur nous dit de le suivre, quand le Seigneur dit « Viens et suis-moi », après qu'on ait accepté son salut, là, on n'a pas accepté juste son salut. Si ça a été bien expliqué, si ça a été bien enseigné, c'est important que ça le soit aussi, les gens vont comprendre qu'ils donnent leur vie au Seigneur. C'est différent. Le salut, c'est une chose. C'est la grâce de Dieu, c'est son amour et tout. Mais on ne peut pas, quand on rencontre le véritable amour de Dieu pour nous, c'est impossible de garder ça pour nous autres. C'est impossible. C'est tellement grand, c'est tellement merveilleux que, en tout cas, moi, je me souviens comment c'était. Tout le monde entendait parler du Seigneur, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est trop grand. C'est trop grand, l'amour de Dieu. Je ne peux pas le garder pour moi. C'est impossible. Je voudrais que tout le monde connaisse le Seigneur. Je voudrais vraiment que tout le monde connaisse le Seigneur. Mais est-ce que ça se peut des fois que dans notre marche chrétienne, est-ce que ça se peut des fois qu'on soit porté à aller à mettre peut-être la bénédiction en premier lieu dans notre cœur plutôt que celui qui bénit dans notre cœur? C'est une question qu'il faut se poser, mes amis, parce que aujourd'hui, je vous le dis, je le constate, Jésus est comparé à toutes sortes d'affaires. J'en reviens pas. Jésus est comparé à
soit une religion, ou ça, c'est les vieilles choses du passé, ou les gens vont dire, oui, c'est un personnage de la Bible. Il y en a d'autres qui disent, ouais, mais ça, c'était une histoire pour faire peur au monde, pour les garder tranquilles. C'est pas, mais non, mais c'est pas ça. Puis si l'Église de Dieu, on fait vraiment notre job, c'est certain qu'ils vont connaître l'amour de Dieu, la puissance de Dieu en action. C'est sûr qu'il va y avoir une révolution dans les vies autour de nous autres. Mais pour ça, il faut se poser la question sincèrement, est-ce que vraiment je suis mon Seigneur? Est-ce que vraiment je lui ai tout donné? Est-ce qu'il est le premier? Est-ce qu'avant de faire une décision qui est importante, est-ce que, ou moins importante, est-ce que je le consulte pour être certain que je m'en vais dans ses traces à lui et pour être certain qu'en bout de ligne, quelqu'un d'autre puisse le connaître? Moi, je ne sais pas, mais je vais faire une petite comparaison, même si ce n'est pas la meilleure, là, mais c'est celle qui me passe par la tête. Imagine quelqu'un qui vient de gagner 10 millions de dollars. Là. Moi, je pense pas que la personne va arriver et va dire, « Hey, sais-tu quoi? J'ai gagné 10 millions de dollars aujourd'hui. » D'après moi, là, ça ne se passera pas de même. D'après moi, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. « Hey, j'ai gagné 10 millions de dollars! Venez, 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 je vais partager avec vous autres! Venez, venez, venez! » Je pense plus que c'est des réactions comme ça. Mais quand c'est Jésus qui rentre dans ta vie, quand tu réalises que c'est Jésus qui a pris ta place à la croix, quand tu réalises que c'est lui qui a pris tous tes péchés, ta nature pécheresse, puis qu'il l'a porté sur lui, quand tu réalises que c'est lui qui a dit, qui a porté toutes nos maladies, qui s'est fait malédiction pour que je sois béni, quand tu réalises tout ça, comment peux-tu garder ça pour toi? À moins de ne pas avoir compris que tu viens de changer de position, que tu es maintenant assis dans les lieux célestes avec Jésus, si tu n'as pas compris ça, c'est peut-être pour ça des fois que tu as une petite gêne ou que je peux avoir une petite gêne pour partager l'amour de Dieu. Écoute, ça ne prend pas grand-chose. Partager l'amour de Dieu, là, ça peut être quelqu'un qui est à côté de toi et tu es au courant qu'il y a un besoin, que ce soit un besoin financier, que ce soit... quelqu'un qui n'a jamais de gardienne puis qui aurait peut-être besoin de prendre un petit break, bien, par amour, tu peux aller t'offrir pour garder. Tu le fais à Jésus, puis en même temps, tu partages l'amour de Dieu. Même chose si tu partages tes biens matériels. C'est la même chose. Tu peux te servir d'une occasion comme ça pour partager l'amour de Dieu. Jésus n'a jamais agi avec religion. Jésus, là, il se promenait partout. Il parlait à tout le monde partout, mais il se mettait à leur place. Il parlait le langage de cultivateurs beaucoup, et de bergers, parce qu'il y en avait beaucoup dans ce temps-là. Les paraboles, c'était la même chose. Il s'organisait pour que les gens le comprennent. Il était comme parmi le peuple, même si c'est celui qui a tout créé. Il était là, parmi le peuple, puis il s'est fait comprendre. Quand Jésus a dit aux gens, « Toi, viens et suis-moi », en réalité, c'était ça. Il n'est pas parti, là, puis excusez-moi, là, je vais dire quelque chose peut-être que ça peut frôler quelques oreilles, mais c'est pas grave, je suis habituée. Jésus n'a pas pris les disciples comme ça avec lui, puis il n'a pas dit, « Bon, ben là, vous allez rester tranquille pendant 3-4 ans, je vais vous donner des gros cours, vous allez tout étudier, puis tu sais pas ça qu'il a fait, Jésus. » Il a pris les disciples, il les a amenés avec lui sur le terrain. Les disciples suivaient Jésus partout. Les disciples ont vu Jésus guérir des malades. Les disciples ont entendu Jésus parler. Les disciples ont vu Jésus pourvoir aux besoins. Ils ont tout vu ça, là. Ils étaient sur le terrain avec. Aujourd'hui, est-ce que je suis juste un chrétien sauvé par grâce ou est-ce que je suis un disciple? C'est une question qu'il faut se poser parce que plus il y a de disciples, des vrais disciples, plus... le travail se fait, c'est certain. Là, vous allez me dire, « Ouais, mais le résultat, peut-être qu'on le verra peut-être pas. » Non, c'est pas grave. Un peut planter, l'autre peut arroser, puis le résultat final, de toute façon, appartient à Dieu. Mais c'est important, enfant de Dieu, qu'on réalise ça, parce qu'on est dans un temps où c'est toute une opportunité, parce que les gens cherchent, les gens se posent des questions. Les gens se demandent où est-ce qu'on s'en va. Ça n'a pas de sens. Tout est en train de changer.
C'est le temps de leur apprendre à embarquer dans l'arche. C'est le temps de leur parler de l'amour de Dieu. Mais pas juste leur en parler, mais de le manifester. Des fois, tu n'auras rien à dire, juste de prendre quelqu'un dans tes bras. Juste d'écouter. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais le Seigneur, c'est en réalité quand il a dit à ses disciples, chacun leur tour, « Viens, suis-moi ». Dans un sens, c'est ce que ça voulait dire. On va aller revoir Luc 14, mais dans le verset 25 à 27 et le verset 33. Il est vraiment temps qu'on s'engage, là. S'il y a quelque chose... Puis là, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de faire la morale. Je dis « on » parce que je suis dedans. J'en fais partie. Mais il est vraiment temps qu'on prenne au sérieux ce pourquoi Jésus nous a sauvés en premier. C'est pas juste pour aller avec lui pour toute l'éternité. Ça, là, c'est une très grande bénédiction, mais on l'a lu tantôt. Il nous invite. Il veut que sa maison soit pleine. Alors, verset 25. Comme des grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme ou son mari, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Là, il n'est pas en train de dire il ne peut pas être sauvé. Il est en train de dire il ne peut pas être mon disciple. Ça se peut qu'il y ait peut-être deux catégories. Au début, c'est normal d'être comme un enfant, tout content, puis sauvé. Au début, c'est normal, mais on grandit. Il y a une marche. Quand on parle de nouvelle naissance avec Jésus, on grandit. Tu sais, quand tu viens au monde, petit bébé, tu as besoin que quelqu'un te nourrisse, tu as besoin que quelqu'un change ta couche, tu as besoin que quelqu'un te donne ton petit bain, puis que tu as quelqu'un qui te berce. À un moment donné, le petit bébé grandit, puis là, ils vont tenir juste les mains pour y apprendre à marcher un petit peu. Après ça, ils vont le laisser tomber deux, trois fois. Le petit bébé va se relever tout seul, puis il va continuer de grandir. On a une marche. Puis, graduellement, en observant les autres, on apprend. C'est comme ça que l'humain évolue. Mais c'est la même chose dans la vie chrétienne. Tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Souvent, c'est le Sauveur qu'on comprend. Mais à un moment donné, il faut en venir à devenir disciple. Puis devenir disciple, c'est simple, puis c'est difficile un peu à la fois. C'est qu'il faut calculer la dépense. Parce que des fois, c'est facile, tu dis « je suis Jésus ». Des fois, c'est facile quand tout va bien. Mais quand ça ne va pas bien, quand les situations changent autour de toi, quand tu vis des persécutions, quelqu'un t'aime pas, excusez, je vais le dire en québécois, quand quelqu'un t'aime pas à face, quand quelqu'un est contre toi tout le temps, t'agis comment? J'agis comment? Comme un disciple, en répondant avec amour, ça prend la grâce de Dieu pour ça, ou on rouspète, puis là, il ne voit plus Jésus, là. Là, il voit la vieille nature. Je sais que je fais des petits détours, mais c'est important qu'on le saisisse parce que les temps sont tellement courts, enfants de Dieu, sont tellement courts. Notre vie, là, excusez-moi, mais tout à part du salut des âmes, tout ce qui concerne le reste dans le monde, c'est vraiment secondaire. Dieu nous bénit, oui, Dieu peut permettre qu'on ait un travail, Dieu peut permettre qu'on ait une belle famille et tout, mais il y en a qui n'ont pas un bon travail, il y en a qui n'ont pas une belle famille, il y en a qui vivent de la misère, il y en a qui pleurent, il y en a qui ont de la misère à nourrir leurs enfants aujourd'hui. De plus en plus, ça se passe. Qu'est-ce qu'on fait? On va continuer de travailler puis de mettre toute notre énergie pour quelque chose qui est juste passager. De toute façon, qu'on va quitter, ça ne sera pas long. Ou bien, on va reprendre le droit chemin, continuer de suivre le Seigneur. Parce que Jésus, de toute façon, y a-tu insisté là-dessus pour dire, « Moi, je vais m'en aller un jour, là, puis je m'en vais vous préparer une place. » Notre vraie habitation n'est pas ici. Notre habitation est avec le Seigneur. Fait qu'en attendant, ça nous est tout prêté, puis ça ne devrait pas jamais prendre la première place. C'est juste une exhortation pour qu'on fasse attention à ça, parce que c'est facile. C'est facile. Moi, je me considère une nouvelle mariée, puis pourtant, ça fait quand même
hein, au-dessus de 10 ans que j'étais avec mon mari. Je l'aime énormément, mais savez-vous que j'ai été obligée de faire attention à ça? Parce que j'étais tellement bénie au début, j'étais tellement bénie, je le suis encore, là, je ne veux pas faire peur à personne, je suis encore très bénie avec mon mari, mais j'étais tellement bénie au début, il y a des fois que je ne me suis pas rendu compte qu'il était quasiment égal à Dieu, là. Sans s'en rendre compte dans mon cœur. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme si je mettais certaines choses de côté pour plus être avec mon mari. C'est correct. C'est correct de s'occuper de ton mari, de ta femme, de tes enfants, mais ne doivent jamais prendre la première place parce que c'est là qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir pour que l'ennemi vienne t'attaquer. Tandis que quand que c'est le Seigneur en premier, lui te donne la grâce, l'amour et tout. Il te donne un équilibre qui est là. C'est vraiment important. D'ailleurs, moi, ce qui m'a touchée quand j'ai rencontré mon mari, c'est son amour pour Dieu. C'est la première chose. C'est son amour pour Dieu. Si ça avait été le contraire, je ne pense même pas qu'on se serait regardé. Je dis ça parce que c'est facile de tomber dans ce panneau-là. On s'est fait tellement prêcher et j'accuse personne, mais il faut qu'on se regarde dans le miroir des fois. On a tellement entendu parler de l'abondance, on a tellement entendu parler de la bénédiction, de la prospérité, tout ça. Oui, ces choses-là peuvent être permises par le Seigneur, mais ce n'est pas le temps de chercher la prospérité, ce n'est pas le temps de chercher la bénédiction. Cherche celui qui bénit. Puis lui, des grosses chances, va te diriger un peu autrement. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais si tu fais le contraire, ça se peut que tu lâches ta position de disciple. Fait que c'est vraiment un engagement. Si on regarde le verset 33, si on regarde le verset 33, ça dit « Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. » C'est quand même sérieux ce que Jésus a dit, là. C'est quand même sérieux. Ça veut dire que j'ai peut-être quelque chose que le Seigneur va me demander un jour. Est-ce que je vais être prête à y donner, sachant que de toute façon, jamais, jamais, jamais que Dieu te demande quelque chose sans avoir prévu autre chose. Jamais. Le Seigneur est tellement bon, tellement grand. Il aime ses enfants, il aime ses créatures, puis il aime bénir. Le dernier passage, ça va être dans Éphésiens 5, versets 8 à 16. Parce que pour en arriver à rester disciple ou à grandir dans le Seigneur, il y a quand même des principes qui sont là. Puis, c'est pas moi qui les invente, puis c'est pas un pasteur qui les invente, un prophète, un apôtre, ça, non, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Fait que, regardez Éphésiens 5, versets 8 à 16. Vous allez peut-être voir qu'il y a une version un petit peu différente de ce qui est écrit derrière moi, mais c'était la version sommaire que j'aime beaucoup. Alors, le verset 8. « Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière, car le fruit que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est vrai. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. » Vous savez, tantôt quand je vous parlais, quand tu te tiens avec quelqu'un, tu apprends à le connaître. Tu apprends à voir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Ça, c'est une vraie relation. Mais un disciple, là, c'est quelqu'un qui suit son maître partout. C'est quelqu'un qui l'entend, qui le voit respirer, qui mange avec, ils vont peut-être aller coucher au même endroit. C'est quelqu'un comme ça qui connaît vraiment celui avec qui il vit. Parce qu'en réalité, quand tu deviens disciple de Christ, tu vis avec lui. Ne participez pas aux pratiques stériles qui favorisent les ténèbres. C'est là que je veux en venir aujourd'hui. Mais démasquez-les plutôt, car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux
qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. » Ça, c'est le verset 14. Verset 15. « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des temps ou des jours mauvais. » Fait que là, ce que Paul est en train d'expliquer dans ce verset-là, il est en train, dans le fond, de dire, là, maintenant, vous ne vous appartenez plus, vous appartenez au Seigneur. Donc, les choses, parce qu'il parlait aussi de certains comportements, les autres chapitres avant, là, bien, on pourrait amener ces versets-là pour aujourd'hui. Excusez-moi, mais il y a des choses que c'est non, merci pour moi. Il y a des décisions, des fois, qui sont prises, j'ose en parler, je suis appelée à ça. Il y a des décisions qui sont prises que je ne peux pas me mettre en accord. Je ne peux pas me mettre en accord de voir des gens souffrir, non. Je ne peux pas me mettre en accord de voir des gens se faire voler, non. Je ne peux pas me mettre en accord de voir des gens qui sont opprimés, non. Pourquoi? Parce que mon maître, c'est pas personne ici. Mon maître, c'est Jésus. Et Jésus n'est pas en accord avec ça. Il nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Tu vois, ça veut dire que si tu vois de la haine à côté, mais toi, arrive avec l'amour de Dieu. Si tu vois des gens qui vivent des situations difficiles, de plus en plus, moi, je suis consciente de ça, je vois de l'indifférence. Mais toi, tu es différent, tu es disciple de Christ. Alors, au lieu d'être indifférent aux problèmes autour de toi, puis de faire comme si de rien n'était, tu le sais que cette personne-là est dans le besoin. L'or et l'argent t'appartiennent. Tu es la fille ou le fils du Père. Donne. Si le Saint-Esprit te parle, donne. Qu'est-ce qui va arriver? Tu n'agis pas comme les gens de ce siècle présent. Tu es en train d'agir comme un vrai disciple. Tu sais à qui tu appartiens. Tu sais qui tu sers. Tu sais aussi que tu fais partie de son royaume, du royaume de Dieu, et non de ce qui est sur terre aujourd'hui. Plus on va avancer dans les temps, la Bible dit, c'est clair, il y a des choses qui vont changer dans le monde. On le sait. Pour les enfants de Dieu, je vais laisser ça à des spécialistes, là, quand on lit l'Apocalypse. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer dans les temps qui viennent, de plus en plus. Mais c'est la meilleure opportunité qu'on a pour vraiment vivre avec Jésus. Je crois que les temps qu'on vit aujourd'hui, dans un certain sens, sont permis par le Seigneur. Parce que si je me fie à la parole de Dieu, les premiers disciples, quand Jésus a été ressuscité, quand Jésus est parti, les premiers disciples avaient à annoncer la parole de Dieu. Hein? Le Seigneur leur a dit d'attendre le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés, puis après ça, ils sont partis. Mais au début, là, de la manière que ça fonctionnait, là, ça faisait un peu comme, malheureusement, qu'on peut voir aujourd'hui. On s'entretient entre enfants de Dieu. Et c'est correct, il faut grandir dans la parole de Dieu. Il faut vraiment s'enrichir dans la parole de Dieu parce que plus qu'on entend la parole de Dieu, plus qu'on grandit, plus qu'on est transformé. Mais c'était un petit peu la tendance des premiers disciples. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils partageaient la parole juste entre eux autres, entre Juifs. Ça a pris de la persécution. Pourquoi Dieu ne l'a pas arrêté? Ça a pris de la persécution pour forcer les gens à aller à l'extérieur. Puis, whoop, là, l'Évangile s'est répandu partout. Question comme ça que je lance dans l'air. Ça se peut-tu que, présentement, ce qu'on est en train de vivre peuvent provoquer ça? Je crois que oui. Parce que je vois plein d'enfants de Dieu qui disaient, moi, je me semble, je ne l'ai pas. Moi, j'ai de la misère à témoigner. Il me semble que je ne suis pas un évangéliste. Moi, je ne l'ai pas, ça. Pourtant, juste raconter ton témoignage à toi, ça peut toucher la vie de quelqu'un. C'est simple. Juste ça.
Mais si c'est assaisonné de sel, c'est-à-dire avec l'amour et la compassion de Dieu, puis que tu arrives avec ce que tu as, qui ne t'appartient pas, qui est juste prêté, Dieu va multiplier, ça marche de même avec lui. Plus tu donnes, plus le Seigneur multiplie. Plus tu te donnes, plus il y en a qui vont être touchés. C'est là la multiplication, puis il va y avoir d'autres disciples. Fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ça qui était sur mon cœur. Je trouve ça spécial parce que je savais que, dans une autre vidéo, je savais que mon mari partagerait sur l'amour et la grâce et la justice de Dieu, mais je trouve ça spécial parce que c'est la porte d'entrée. Ensuite, il faut qu'on grandisse. Moi, j'avais à cœur de partager ça parce que, premièrement, ça m'a parlé. OK? Je me regarde toujours dans le miroir. Ça m'a parlé, mais en même temps, je pense que ça nous parle, enfants de Dieu. Il y a des choses qu'on n'aura pas le choix à un moment donné de mettre les deux pieds sur terre puis de se tenir debout puis dire « no way ». Puis il y en a d'autres, on peut mettre ça de côté. Vous connaissez la situation, vous savez tout ce qu'on est en train de vivre. À un moment donné, je pense qu'il va y avoir des disciples du style de Jésus. Là, vous allez dire « ben oui, c'est normal, on vient de donner notre vie au Seigneur puis on devient disciple de Jésus, on devrait y ressembler. » OK. On parle là, de l'amour, de la douceur, de ci, de ça. OK. Mais Jésus, il a vu des affaires dans le temple qui ne faisaient pas son affaire. Le zèle de sa maison l'a dévoré. Il a pris position. Il a pris position devant les religieux qui, dans ce temps-là, étaient ceux qui dirigeaient. Il a pris position. Il n'a pas mâché ses mots non plus. Mais savez-vous, sa vie était complètement dédiée au Père. Ça veut dire que si tu donnes, ou si je donne vraiment ma vie au Seigneur, des fois, là, tu peux être sauvé, ça peut faire 5 ans, puis c'est au bout de 5 ans que tu t'aperçois, hey, « J'y ai-tu vraiment donné ma vie? » Des fois, il y a des situations qui font que tu te la poses la question. Parce que suivre Jésus peut te coûter tout, y compris ta vie. C'est vraiment ça, là. C'est vraiment ça. Allez vous promener en Corée, allez vous promener en Chine, allez vous promener dans différents pays où il y a beaucoup, beaucoup de guerres et tout, puis que je vous dis, là, les chrétiens sont mis de côté, sont privés de nourriture, sont privés d'eau, puis ils laissent mourir comme ça, là. On est en 2021, mais ça se produit. Vérifiez comme il faut. Il y en a qui donnent vraiment, là, qui ont vraiment donné leur vie au Seigneur. Il y en a qui sont dans la rue, qui sont en train de témoigner, puis ils vont se faire tirer, là. On vit ça. On vit ça. Et je ne suis pas la porteuse de mauvaises nouvelles, mais je dis, par exemple, ce qui est vrai. Je dis ce qui est vrai. Ma langue n'est pas dans ma poche. Le Seigneur l'a mis là. Faut que je m'en sers. Vous savez qu'il y a des pasteurs, présentement, dans notre pays, qui ont été en prison. Puis ils veulent suivre le Seigneur, puis ils continuent. Et savez-vous, j'en ai vu un l'autre fois, j'ai été tellement touchée. Il dit, c'est pas le fun d'être en prison. Je vous le traduis, là. C'est pas le fun d'être en prison. Mais ça me prouve une chose, c'est que je fais ce que mon maître me demande, parce que lui-même a subi. Paul a subi les mêmes choses et tout. Quand tu donnes vraiment ta vie au Seigneur, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Mais la promotion s'en vient aussi après. On s'en va avec le Seigneur pour l'éternité. Mais moi, ce que je veux entendre de la part de Dieu, en tout cas, pour ma part à moi, là, c'est pour ça que je prie souvent là-dessus, parce qu'on est tous humains. Je demande au Seigneur, vraiment, qu'est-ce que tu veux de moi aujourd'hui, là? Toi, tu sais d'avance qu'est-ce qui s'en vient dans ma journée. Qu'est-ce que tu veux de moi aujourd'hui, là? Moi, j'aimerais ça, que les gens soient touchés. Ça, c'est tout le temps ma prière. J'aimerais ça que les gens soient touchés puis qu'ils sentent vraiment ton amour, Seigneur. Mais en même temps, il faut qu'ils comprennent que plus ça va aller, plus le chemin va être étroit. Ça, c'est... Écoute, je connais des gens qui ne connaissent pas encore Jésus, mais qui me décrivent la parole de Dieu. Ce n'est pas des farces. C'est des gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, mais qui ils disent « on vit un combat spirituel présentement ». Aïe, aïe. Bon, ben si tu entends ça, puis toi, tu connais le Seigneur, c'est pas le temps de te cacher, c'est le temps d'aller le voir, puis de dire, si tu sais de quoi tu es en train de parler, une autre porte pour apporter l'amour de Dieu. Fait qu'il y a plusieurs façons aujourd'hui qu'on peut réellement toucher les gens qui sont autour de nous. Fait qu'on va répondre oui au Seigneur ou non.
Quand Jésus a dit aux disciples, « Viens et suis-moi », là, eh bien, il était appelé à vivre ce que lui a vécu. La majorité des premiers disciples, les apôtres surtout, sont tous décédés à cause du message de l'Évangile. Puis ils ont accepté ça tellement ils savaient qui ils connaissaient. Puis surtout, c'est qu'il y en a là-dedans qui ont même côtoyé Jésus avant qu'il soit parti. Paul, ce n'était pas son cas, mais les autres, oui. Fait qu'imaginez, là, ils savaient de qui ils parlaient parce qu'ils l'ont connu vraiment intimement, le Seigneur. Mais le Seigneur dit qu'à la fin, c'est mieux les gens qui vont croire en lui que celui qui est à côté de lui, là, puis qui voulait voir absolument les trous, puis, tu sais, le Seigneur disait ça, là. À la fin, il y en a beaucoup qui vont croire. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Ça, c'est nous autres. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, c'était ça qui était sur mon cœur. C'était comme peut-être une exhortation, mais peut-être aussi une réflexion, une introspection, peut-être. Je ne sais pas trop comment appeler ça, mais c'était fort. C'est pas le temps de se taire. C'est pas le temps de se cacher. C'est pas le temps d'être religieux. C'est juste le temps d'être disciple. Vraiment, là, et que Jésus paraisse. Fait que c'était ça qui était sur mon cœur. Fait que si vous permettez, je vais prier. Parce qu'on a tellement besoin de la grâce de Dieu. Père, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Merci, Seigneur, parce que par amour, des fois, tu nous prends, là, puis tu nous accroches par le cou, puis tu nous ramènes dans le bon chemin, Seigneur. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu veux nous conduire dans le chemin qui est étroit, Seigneur, parce que c'est ton chemin. Tu veux, Seigneur, qu'on te suive, mais qu'on te suive vraiment. Tu as quand même tout donné, là, ta vie. Tu as versé tout ton sang. Tout ce que tu as subi pour nous, c'est... Il n'y a rien qui peut être comparé à tout ce que tu as fait à la croix du calvaire pour nous. Si j'avais été toute seule sur la terre, tu aurais quand même été à la croix pour moi. Ça, je le sais. Je pense que c'est normal, Seigneur, quand tu nous as demandé de te suivre. C'est pas pour rien. C'est parce que ton amour est tellement grand. Tu n'as pas donné ta vie seulement pour 10, 12 personnes, pas seulement pour 100 personnes, pas seulement pour 1000 personnes, mais tu veux que tous soient sauvés et parviennent au salut. Ce que je te prie, Seigneur, c'est que touche nos cœurs, mon cœur. Sonde nos cœurs par ton Saint-Esprit, Seigneur. Les temps sont tellement courts. Je veux faire partie du blé, pas de l'ivraie. Je veux vraiment être ton disciple, Seigneur. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que s'il y a quelque chose de caché, une crainte ou une personne qui prend plus de place, ou une chose qui prend plus de place que toi, montre-nous-le, Seigneur. Peut-être qu'on le sait. Si on le sait, Seigneur, donne-nous la grâce, la force de le faire, le vouloir et le faire, de laisser ces choses de côté ou de les mettre à leur place. Parce que la priorité maintenant, c'est le royaume de Dieu. Ton temps, Seigneur, tu reviens bientôt. Tu reviens chercher une église qui est pure, sans tache ni ride. Tu reviens chercher une épouse, Seigneur. Une épouse, ça se prépare. Une épouse, ça fait tout pour être la plus belle, la plus désirable pour son futur époux. C'est ça que tu attends de nous autres, qu'on se prépare en conséquence. Mais Seigneur, tu veux que la place soit pleine. Tu veux remplir ta maison. Je prie, Seigneur, que tu nous fasses voir les gens autour de nous avec tes yeux, que tu nous les fasses voir avec ta compassion et avec ton amour, Seigneur. Accorde-nous ton audace, ta force, ton onction, ta puissance, Seigneur. Étends ta main pour que des signes, des prodiges, des miracles s'accomplissent, ô Dieu, et que ta parole soit proclamée partout avec assurance. C'est toi, Seigneur, qui dirige ton Église. Alors, Seigneur, étant donné que tu nous as amenés dans les lieux célestes en Jésus-Christ et que l'ennemi est sous nos pieds, Seigneur, qu'on se serve de notre autorité que tu nous as donnée, qu'on se serve de ta compassion, Seigneur, que tous puissent être touchés. Je t'en supplie, Seigneur. Le focus doit être mis là, premièrement, que les gens soient touchés, sauvés. Donne-nous, Seigneur, d'être des lumières partout où on va être.
Donne-nous, Seigneur, de pas seulement être des apparences de lumière, mais d'être des vraies lumières, Seigneur. Les gens ont besoin de savoir qui connaît vraiment Jésus aujourd'hui. Ils ont vraiment besoin de le savoir, Seigneur. Seigneur, je veux en faire partie. Et ma prière, je crois dans mon cœur que beaucoup d'autres veulent en faire partie aussi, Seigneur. Mets ta main toute puissante, oh Dieu, que tous soient touchés. C'est ma prière, Seigneur. Mais surtout, surtout, sonde nos cœurs continuellement, Seigneur. Continuellement. L'ennemi est rusé, mais il a été vaincu. Alors, Seigneur, moi, ma joie, c'est toi. Ce que j'aime, c'est toi. Ce que j'adore, c'est toi. Celui à qui je veux obéir en premier lieu, c'est à toi, Seigneur. Alors, je prie dans le nom de Jésus que ta parole s'accomplisse, qu'on voit le grand réveil qu'on a entendu parler si longtemps, qu'on le voit éclater devant nos yeux, Papa. Merci d'avance pour les âmes, les cœurs qui vont être touchés. Merci d'avance pour les enfants de Dieu, Seigneur, qui sont touchés présentement et qui ressentent. C'est comme s'il y a un renouveau dans leurs appels, comme s'il y a un renouveau dans leur amour. Ils retrouvent leur premier amour. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tout ça, c'est ton œuvre. La gloire, l'honneur, la puissance, la sagesse te reviennent à toi et à toi seul. Merci, ô Dieu. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci.